Bonjour mes amis, Namaskar. Je vous souhaite bienvenue sur cette chaîne. Dans cette session, nous allons étudier un shloka de Srimad Bhagavad Gita et sa traduction et son interprétation. Dans la dernière session, nous avons discuté les slokas numéro 4, 5 et 6. À travers ces versets, nous avons appris que Duryodhana a essayé de provoquer son commandant, Dronacharya, de détruire ses ennemis. Dans cette session, nous allons apprendre que Duryodhana veut se vanter de son armée. Nous allons aussi voir l'introduction des commandeurs de l'armée de Duryodhana. L'introduction des commandeurs de l'armée commence du septième shloka et la même déroule jusqu'à 11e shloka. Regardons le 7e shloka de Srimad Bhagavad Gita. Maintenant, je vais lire le shloka. Asmakam tu vishista etani bodvijotam. Naikah mam senasya sanjanartham tan pramimite. Écoutez encore ce verset. Asmakam tu vishista etan nibod dvijotam. Naikah mam senasya sanjanartham tan pramimite. Vocabulaire. Maintenant, je vais dire le sens de mon sanskrit par l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le shloka. Asmakam. Asmakam, c'est-à-dire notre. Tout, c'est-à-dire aussi. Vishista. Vishista, c'est-à-dire spécifique ou principal. Et c'est-à-dire c'est. Tan, c'est-à-dire e. Nibod, c'est-à-dire faire attention ou remarquer. Dvijotama, c'est-à-dire o dvijotama. Le meilleur des brahmanes. Naika, c'est-à-dire héros. Les chefs. Mam, c'est-à-dire mon et mes. Senase, cela veut dire de l'armée et des soldats. Sandhyanartham, c'est-à-dire pour votre information. Tan, c'est-à-dire Brahvimi, c'est-à-dire je parle. Te, c'est-à-dire vous. Pacheda. Pacheda, cela veut dire
Séparation des mots à endroit particulier où nous trouvons des mots significatifs. Écoutez le Pachéda de ce shloka. Asmakam tu vishista etan nibod duvideshu uttam. Naika mam senasse sanyaya artham tan brahmimi te. Écoutez encore sa pacheda. Asmakam tu vishista etan nibodvideshu uttam. Naika mam senasse sanjaya artham tan brahmimite. Maintenant, écoutez l'interprétation de sa shloka. Et Dvijotama, moi c'est le meilleur des brahmanes, faites attention aussi à nos chefs d'armée. Pour votre information, je vous parle des généraux, des héros de mon armée. Écoutez encore cette interprétation. Et Dvijotam, moi c'est le meilleur des brahmanes. Faites attention aussi à nos chefs d'armée. Pour votre information, je vous parle des généraux, des héros de mon armée. Regardez la chaîne. Que Dieu vous accorde santé et richesse. Puissiez-vous obtenir un immense succès dans la vie. Maintenant, je voudrais poser une question. Comment avez-vous trouvé cette vidéo? Partagez votre opinion. Merci encore d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo parmi vos amis. Namaskar. Bonne journée.